Alors ça c'est une belle rencontre et du hasard. Donc moi je devais faire le MiniFastNet il y a 2 ans. Et au dernier moment, mon coéquipier est tombé malade. Donc 2 jours avant, j'ai appelé un ami qui était en train de boire un coup avec Gib. Et ça fait comme ça, il m'a passé Gib. Salut, je m'appelle Gib. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Et puis on se rencontre samedi, on est parti, on se connaissait pas. Ligne de départ et ça s'est super bien passé. Et puis voilà, l'histoire continue. Alors l'œuf du marin breton, c'est Gib qui a trouvé. Et c'est une bonne idée parce que en fait ça permet peut-être de récupérer un peu d'argent pour une association qui vient en aide aux femmes de marins disparues en mer, etc. Ça, on ne le sait pas toujours, mais l'œuf du marin breton, des fois on achète le côtier, on ne sait pas pourquoi. Donc maintenant, on achètera de l'œuf du marin breton. Ah non, pas du tout. Je savais que pour naviguer avec lui, que c'était un bon marin. Il est tenace, il est costaud et un bon régleur. Enfin, ça fait plaisir de naviguer avec lui, j'ai appris beaucoup avec lui. C'est l'aboutissement d'un projet qui est tombé à l'eau justement l'année où j'ai rencontré. Et je suis super content qu'il fasse cette traversée avec le 607. Et je suis très fier de lui parce que c'est vraiment une belle réussite. Je suis tout cœur avec lui. Je suis persuadé qu'il va faire quelque chose en plus parce que le bateau va bien, il va bien. Et on l'attendra là-bas à l'arrivée, ça c'est sûr. Ah, j'ai pas préparé une anecdote. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, Gib, il a du mal à manger en mer. Donc c'est souvent saucisson, pistache, noix de cajou. Et par contre, quand il arrive à terre, il mange énormément. C'est une grosse réputation, mais des anecdotes autrement, non, ça me vient pas, mais bon, que du bonheur en tout cas.